Bonsoir à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette rencontre qui s'annonce au mieux. Pourquoi ? Parce que le ciel est dégagé, parce que la pelouse a été bichonnée, parce que l'échauffement s'est parfaitement passé. On a même vu des attaquants réussir des frappes incroyables en pleine lucarne pendant cet ultime entraînement. Bref, tout est en place ici et on n'attend plus que les 22 acteurs pour débuter la rencontre. Voilà un stade magnifique, plein comme un œuf, c'est parfait pour ce match. On va voir ce que nous réserve ce match. Oh, ce jeu de passe, quel régal! Ça joue à gauche. Le ballon dans la profondeur. Maintenant, le centre. C'est une occasion, ça! Oh, le gardien est là, la classe! Incroyable comme il est allé la chercher. Ça semblait se diriger tout droit au fond. Ce sera le premier corner du match. Attention, la frappe, attention! Hey, il y avait de l'idée! Ça s'est joué à rien! C'est le poteau qui repousse, il n'a vraiment pas de chance sur ce tir. Le gardien s'en sort bien. Blin. Peters qui cherche la faille. Il tente de la jouer dans l'espace. C'est bien fait ça. Faut frapper là. C'est dedans, but. Et le voilà, le premier but dans cette rencontre. Face au but, démarqué, ça ne pouvait pas se terminer autrement. La passe était millimétrée, elle lui arrive dans les pieds. Il termine l'action comme il sait le faire. C'est génial. Ce but en tout début de match devrait leur apporter de la confiance. Le stade de Reims qui essaye de construire. Le stade de Reims qui est toujours mené au score, preuve encore une fois que dominer n'est pas toujours gagné. Il va au duel. Faut tirer là! Et la balle qui tremble, il s'en sort bien! Il y a beaucoup de mouvements sur les côtés, vous ne trouvez pas? Oui, c'est vrai que je me faisais la même réflexion. À mon avis, ils essaient de créer des espaces dans l'axe pour une passe ou une course. Bon dégagement. Romao. Oh, le petit ballon piqué. C'est repoussé. Oh, quel geste. C'est le moment de centrer. Un ballon devant la cage. Le bon dégagement. Pas le temps de se lamenter, c'est déjà récupéré. Oh, la frappe! Bien repoussé par le gardien. Oui, quelle intervention. Honnêtement, moi, je la voyais dedans. Konaté, qui est donc passeur décisif dans cette rencontre. Konaté, qui choisit le côté gauche. Blin. Il frappe! Et l'arrêt, magnifique! C'est un super arrêt, fine save. Il préfère le jouer court. Et la touche maintenant. Et la remise en jeu est interceptée. C'est déjà la pause, j'ai pas vu le temps passer désormais. Les entraîneurs rentrent en action.
Les deux équipes regagnent donc les vestiaires avec ce petit but d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. Ah, ça a manqué d'envie dans cette première mi-temps. On va peut-être voir des changements pour la deuxième période. Et c'est le coup d'envoi, encore 45 minutes. Bon, je vais faire un peu mon captain obvious, mais il reste encore toute une mi-temps. Il n'y a pas de quoi s'affoler non plus. Blin. Peters, qui cherche la profondeur. Ça joue à gauche. Bien tenté cette passe dans le dos de la défense, mais c'est intercepté. Quand on joue dans l'axe, il faut être plus précis que ça dans les passes. Ils ne vont pas chercher leurs adversaires. C'est intéressant. Comment ça, expliquez-moi. Ils restent à distance, ça leur permet de mieux lire le jeu plutôt que de se précipiter sur la balle. Ah, ok. C'est joué long, attention. Et c'est directement récupéré. Ça joue long vers l'avant. Le gardien loin devant. Quelle fait du bien cette interception. Ça ne passera pas. Il tire. Oh, quel bel arrêt. Et ça, c'était pas facile à arrêter, croyez-moi. Bien servi. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Bonne intervention, c'est récupéré. Quelle passe. Il allonge vers l'avant. Konaté. La relance côté droit. Et ce ballon vers ses attaquants. Là, ils cherchent à tuer le match. C'est normal. Ils veulent vraiment passer ces dernières minutes tranquilles. Peters. Blin. S'il le trouve. Dommage, c'est intercepté. Coup de sifflet de l'arbitre, le match est fini. Oh, ça s'est joué à pas grand chose. Ils auraient pu gagner, mais ils s'inclinent sur la plus petite des marges. On peut dire qu'ils ont laissé